principe fondamental du gouvernement chinois en ce qui concerne les affaires internationales et la coopération avec d'autres pays, c'est la paix, le développement, la coopération et les bénéfices réciproques. La Chine pense toujours que la Côte d'Ivoire est un pays riche de potentialités. Et puis aussi, la Côte d'Ivoire a connu son miracle dans les années 70. Donc, la Côte d'Ivoire a tout pour relancer son économie. Donc, la Chine souhaiterait rester à côté de la Côte d'Ivoire. Nos relations entre nos deux pays est un exemple d'une coopération sud-sud. Parce que la Chine, étant un pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, nous collaborons pour avoir un développement commun dans les domaines politiques, économiques, culturels. Les deux pays ont développé des échanges très fructueux dans plusieurs domaines.